Et bonjour à tous, c'est Takumashi et aujourd'hui je vais vous montrer comment lire n'importe quel fichier de film. Donc ça peut être .avi, .flv, peu importe. Vous allez pouvoir les lire sur votre Apple TV grâce à votre iPhone ou grâce à votre iPad. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc tout simplement, vous allez devoir télécharger sur l'App Store l'application AirVideo qui est disponible au prix de 1,79€ je crois. Donc 1,79€, vous allez me dire, ouais, il faut encore payer. Mais il faut savoir que cette application-là est juste géniale. Elle vous permet vraiment de lire n'importe quel type de film. Donc je la lance. Donc dans les serveurs, en fait, vous avez votre ordinateur. Donc votre ordinateur, il va vous servir à mettre tous les films que vous avez dessus dans un fichier. Et ce fichier sera accessible sur votre iPad ou sur votre iPhone. Donc là, on peut voir que j'ai DivX 4, donc ça veut dire que j'ai 4 films dans mon fichier. Donc j'ouvre le dossier et là, j'ai par exemple Tekken 2 ou Arrow. Arrow, c'est une série que je suis en ce moment. Donc voilà, donc j'appuie sur Arrow, l'épisode. Et là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Donc jouer le film et convertir en même temps ou convertir avant de jouer. Donc moi, je vais faire lancer et convertir en même temps. Donc là, vous voyez un écran noir, donc c'est normal. Donc le fichier se convertit en même temps. Voilà, donc là on va bien vérifier, c'est bon. Donc AirPlay, this video is playing on Apple TV. Donc on retourne sur l'Apple TV. Donc vous voyez un petit temps de chargement, c'est normal. Ça, que ce soit sur une application ou sur une vidéo directe, vous avez tout le temps un petit temps de chargement qui est plus ou moins long, ça dépend. Voilà, donc là c'est parti, donc vous voyez que ma série se lance. Voilà, donc ça, je peux faire stop, voilà. Donc cette application-là est vraiment géniale et je vous la conseille. Donc je vous le rappelle, tous les types de fichiers, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ce sera tout, c'était Takumashi et je vous dis à bientôt.